qui pour qui. Mais j'ai... Ma copine. Mais ça fait un bayer, un cheval. Je m'en vais, je m'en vais, tu sais que comme l'enfant a mettait dans côté d'école, elle est en train d'apprêter son petit truc. Mmh. Oui, d'accord. Mais ça, alors, j'ai emmené chez la fille qui me menace, ça me met KO. Ouais, elle se m'a forcé de venir chez toi, parce que ça fait longtemps, il faut qu'elle vienne te rendre visite. Mais ça, le monde est méchant. Ah, Betty. Tiens, mon génie là. N'est-ce pas? Mm-hmm. Non, maman, merci. Mais... Même quand on ne trinque pas les jus, trinquons quand même. Mm-hmm. Moi, il a commencé à boire dans sa bouffe la même vie. Encore? Mado! Mado! Où sont les toilettes ici? J'ai envie de vivre. Et que tu me demandes des toilettes chez toi. Oh, laisse-moi comme ça. D'accord? Oh, ma copine! Maman, toujours belle, toujours classe. Elle rajeunit chaque jour. C'est bon, non? C'était du miracle. Bon, raconte-moi. Là, je vais te dire quoi. Qu'est-ce que ton frère dit? Il y a un frère, il est là. Okay. Il est là, il me dérange comme il peut, mais il est là. Tu es sûr que c'est lui qui dérange? Ah, c'est lui qui dérange. Bah, toi, je te connais. Hey, pardon, non, c'est lui qui dérange. Mais sinon, ça va. Mes frères m'avaient dit qu'il veut que je parle ensemble. Tu as refusé. Il y a un truc qui est dedans. Non, Kim, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc que tu as mis dans mon verre? Yeah! Yeah! Oh, comment yeah! Ça, ça... J'ai pris dans ton verre. J'ai su que tu n'as rien mis dans mon verre. Je n'ai rien mis dans ton verre, c'est pareil. Je n'ai rien mis. Mm-mm. Moi, je peux plus boire ça. Tu as mis quelque chose dans mon verre. Ok. Si tu n'as pas mis quelque chose dans mon verre, prends donc maintenant, tu bois. Je ne peux pas comment c'est ton verre. Je n'ai rien mis dans ton verre. Pourquoi tu cries? Tu cries, moi, c'est peux crier. Tu as mis quelque chose dans mon verre, je ne bois pas. Je n'ai rien mis dans ton verre, c'est quoi ça? Prends donc, tu bois. Prends, tu bois. Mais prends, tu bois. Merci, merci. On entend de loin. Eh oui. On se demande que Dieu envoie les gens. Une menace a été détectée. Oui. Je me rends compte, tout à l'heure, je me suis levée, je suis allée uriner. J'arrive à prendre le voile. Voilà. Il y a un truc qui me frappe là. Ça m'a frappé. J'ai l'impression qu'elle a mis quelque chose dans mon verre. Papa. Je lui demande, elle me dit non. Je lui demande de boire dans mon verre. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle n'a rien dans mon verre. Pourtant, mais j'ai un mauvais ressenti. Il faut boire, non? Je bois, c'est son verre. Moi, je n'ai rien dans mon verre. C'est mon verre. Il faut boire. Bois son verre. C'est pas si. Bois ça. Tu n'as rien dans mon verre. Pourquoi je n'ai rien dans mon verre? Il faut boire ça. Tu n'as rien dans mon verre. 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 Pourquoi tu as peur de boire? Bois ça! Voilà, je suis allé dans le verre. 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 Elle commence à crier. Elle crie, crie plus que qui. Mais je. Tu vois. Tu vois, Donna. Tu vois, que tu vois, alors. Il faut que tu nous venir dans le visite aux gens. Ton ami, ici, tu vois comment un homme Dieu t'aime, maman. Dieu t'aime. Regarde. Tu vois comment le poison court dehors. Dieu est des familles. Le poison court dehors. Non, Dieu t'aime. Je te dis que Dieu t'aime. Comme vous aimez le bavardage. Pardon, pardon, pardon. Pardon, moi, je parle de voisin. Si on sortait à court, on va dire que on est venu chez les gens. Pardon, pardon. Oh my God.